Depuis 50 ans, Yogacharya Nilamegom pratique et enseigne le yoga. Yoga simplifié, ça permettait bien pour être physique, moral et mental, être heureuse, être bien élevée, bien santé quoi. Une discipline qui compte aujourd'hui différentes variantes. Il y a de tous les sujets là-dedans. Par exemple, vous travaillez le yoga simplifié seulement pour les respirations, les physical, pour le physical control, on travaille pour les exercices. Violence, c'est-à-dire on appelle yoga acrobatique. Et puis on a besoin pour travailler uniquement pour les respirations, il y a des possibilités, c'est ce qu'on appelle ce pranayama. Dans un souci de santé publique, l'Inde a instauré une journée mondiale du yoga le 21 juin. Il y a de 5 ans de cela, le gouvernement indien qui veut pour promouvoir cette culture de yoga le monde entier. Donc ils ont proposé avec le UNE, ils ont accepté journée mondiale de yoga dans à peu près 150 pays qui pratiquent le yoga actuellement. À cette occasion, une demi-journée d'initiation gratuite sera proposée demain 19 juin dans la salle polyvalente de l'étang Saint-Paul, les 21 et 23 juin à Saint-André et Sainte-Suzanne.